Salut. Oh, j'ai mal au ventre, j'ai faim. C'est l'heure de... manger. Ah, qu'est-ce que tu vas manger? Des cristal bleus. J'espère que vous allez bien, parce que je crois que Milu et Laëlle vont pas très bien. Hein. Des cristal bleus. Oui, je sais, on dit des cristaux bleus. Mais c'était la fin, c'est pour ça. Allez, mange des trucs, vu que t'es un raptor maintenant, Fox. On va pouvoir manger Tricky en rentrant. Tu vas lui faire une peur bleue. C'est la peur de sa vie. Oh non. Oh, ça va être chaud. On peut même pas sauter. C'est triste. Oui, bah, on peut pas tout avoir non plus, là, elle. Hein. On peut pas tout avoir non plus. Je sais même pas si je vais y arriver, du coup. En théorie, oui, ça devrait être faisable, quand même. Non, non. À chaque fois, hein. Du coup, est-ce que c'est bon? Ouf. Oh, c'était juste. Comment ça, j'ai dit c'était juste, hein. Ça se trouve, c'était bon, hein. Depuis, t'avais encore 5 minutes et tout, mais non, non, c'était juste. Et le cristal de la sagesse, ça nous appartient. Je suis un peu personnage de Fort Boyard, moi aussi, hein. Oh, c'était juste, hein. Vite, sors de là, t'as la clé. Tant pis pour la clé, sors. Alors, là, elle, tu fusionnes avec les chats, t'as des poils de chat sur le visage maintenant. Miaou. Tu vois, c'était juste, t'es sorti, et bam. Ouch. Bon, où pars-tu te promener, là, elle? Je vais manger un cristal rouge. Est-ce que ça te fait penser à toi? Oh, c'est pas par là. C'est à côté des caisses. Non, mais je sais où c'est, mais c'est juste que sur le coup, j'avais envie de prendre un tout petit bain. Oh. Oups. Ah. Du coup, dans le let's play, on avait la carte ou pas? Tendance. Oh purée. Première mort. J'ai rien compris. Tintintin. Oh, ouch. Eh, hey, ça va, hein. Où est-ce que tu vas? Mais mince. C'est là. Ça y est, t'es morte, t'es perturbée à jamais, là. Oh, mais oui, non, mais... Oh my god, c'est possible de mourir dans Fox, elle se dit, à elle. Mais j'y avais des caisses juste là, en quoi, plus. Quoi, t'avais pas l'habitude avec moi qui arrêtais pas de mourir? Et j'étais même pas morte dans les vidéos qu'on a tournées, je suis triste. Il est tout petit, ce truc. Fox, il le met comme ça. Attention, oh, t'as plus d'air, Fox. Je vais mourir. Non, sérieusement, si on se transforme en Shark Claw, y a pas de temps qui s'écoule, je crois. Parce que, ouais. En fait, c'est un truc de Shark Claw. C'est connu, hein. Le Shark Claw, ça a pas besoin de... ça a pas besoin d'oxygène pour respirer. Tu te rends compte que ton oxygène continue de descendre, là, alors qu'il y a une cinématique? Ça y est, il est arrivé jusque là. Oh, bravo, Fox, vous avez réussi à activer les ventilateurs. Oh, regarde, des trucs qui descendent du coup à cause du ventilateur, mais finalement ils remontent. Oh non, alerte, alerte, danger dans le mur. Wow, I'm flying in the air sometime, seeing a... Donc du coup maintenant il faut que je fasse des trucs. Non, c'est blague. Non, mais bah, maintenant... faut que je monte. Ouais. Là où il y avait le banc. Mais je sais pas si ici ça te mène au bon endroit. Là tu vois, il y a du banc. Ouais, mais je sais pas si ici ça te mène au bon endroit. Ouais, vraiment, on essaye. Regarde là, il dit hop. Fouhou, Mario time. Oh, oh c'est bon. Ah, oh, c'est pas bon. Ah, oh, c'est bon. Waouh, vous avez fermé cette porte pour rien. Oh non, un petit dinosaure. Là, tu parles du Sharp Claw? Oh, il va falloir que tu fasses un combat. Tu vas devoir faire un combat de Sharp Claw. Tu peux même pas monter? Ah, si. Tu veux avoir un Baphom Dad? Oui. Pourquoi tu veux un Baphom Dad? On en a déjà plein. Mais là, j'ai une certaine... une soudaine perte de confiance en moi. Ok, alors, ça, je dois tuer tout le monde. Heureusement que j'arrive pas à le dire. je sais, mais... Tombe la neige. Oh, mais non, ça compte pas, ça. Il y avait un trou? Ah oui, d'accord. Il y avait un trou. Non. Je pense que ça reste ouvert tout le temps. Attends, c'est vous les Sharp Claw qui faites des bruits bizarres comme ça? Je pensais que vous aviez une voix cool et tout, mais non. Ils font des voix de robots? Des voix? Mais je dis robot, moi. Ah, le robot Sharp Claw 001. I'm the best. Ah, ça tombe pas, ils sont bloqués par un mur. Et oh, ouais, c'est comme les Goombas. C'est comme les Goombas. Pourquoi tu me donnes de la magie? Ça fait mal aux yeux. Hein. J'aimerais pas être Fox à ça. J'aimerais pas être Fox à ce moment-là du jeu. Heureusement, c'est pas moi qui joue.
Hey, tu regardes cet écran autant que moi, hein? Pas vraiment. Je suis actuellement subjugué par Plum, qui est derrière moi. Moi, je suis pas un robot, je suis un normal. Oh, mais tu veux pas, s'il vous plaît, Monsieur Fox? Trop tard. Waouh, c'est tout cassé là-haut. Désolé, c'est encore là elle qui a fait des bêtises. Désolé, je voulais pas. Hé, hey, regarde, Monsieur Fox, regardez, j'ai trouvé un poulet qui vole. Peut-être que vous en voulez un peu, mais pourquoi vous me frappez? Parce que tu es méchant avec cet oiseau. Tu l'as insulté de cervelle de souris. Pardon. Cervelle de souris. Et qu'est-ce que t'as contre les souris, hein? Hé, hey, j'ai ouvert un passage de Sharp Claw et compagnie. Putain, de revêtir mon costume. C'est ton plus beau costume. Ah, vite, le temps s'écoule. T'imagines, maintenant Fox il peut aller en soirée et tout, déguisé en Sharp Claw, il fait regarder, c'est mon costume du jour. Aujourd'hui je porte ça. Attends. Placé. Ah, ça va vraiment marcher? Mais oui, t'inquiète. Toi aussi, t'aimerais bien avoir un costume de Sharp Claw. Enfin, t'es une fille, les filles ça porte pas de costume. C'est que les garçons qui portent des costumes. Hein? Pourquoi? Les filles ça porte des robes de soirée. Ah, et les garçons ça porte des costumes. Ah, d'accord. Tu peux revenir avec mon machin? Ouais, trop bien. Hop. Alors, là. Ok. On va dire que c'est bon. Allez, vas-y, Fox. Oh non! C'était la chute. Oh, il y en a un qui vient de naître. Il y a un Sharp Claw qui vient de naître. Ah, c'est fermé. Faut que t'ailles lui dire bonjour et afin de lui apprendre à parler. Il vient de naître. Salut! Bah alors, pourquoi tu me nerfes comme ça? Je voulais pas naître, moi. Je voulais rester dans le ventre de ma mère. Mince. Je suis né dans un œuf. J'aimerais bien rester dans l'œuf. De ma mère. De ma mère. Oh, t'as même un frère jumeau, la classe. T'as vu ça? C'est pour ça, il pense que c'est le moins préféré de sa mère. C'est pour ça qu'il s'énerve. Et mais cette Cloud Runner passe son temps à pleurer. S'il vous plaît, aidez-moi, Fox. Sox, le sol de cette cage me semble instable. Essayez de trouver un moyen de le briser. Ok, madame. Allez, vas-y, Fox. Est-ce que tu oserais sauter? Aha. Ah, mais non, attends. T'as pas un truc à... Y a un truc à ouvrir, non? Ouais, y a un truc à ouvrir, c'est oublié. Non, je crois pas. Parce qu'en fait, il faut que j'arrive par en bas. Mais il faut ouvrir. Non, regarde à droite, à droite. Oui. À droite. Non, parce qu'il faut ouvrir les barreaux, sinon ça marche pas. Hein. Hop. Lumière jaune. Hop. Mine de rien, là, en te revoyant jouer, je me dis waouh, mais qu'est-ce qu'elle est rapide. Ouais, il y en a peut-être une deuxième sur l'autre côté. Écoute, t'étais pas obligé de descendre, Fox. Et pour éviter de me faire prendre un coup de jus de ce droïde. Mais je crois pas que je puisse y assis comme ça. Je disais donc, en te revoyant faire la forteresse Cloud Runner, je me dis en fait, au final, la forteresse est très rapide à faire, c'est juste les trucs qu'une fois que t'as obtenu la pierre magique qui est super lent. Oui! Ironiquement, c'est aussi le passage que j'aime le moins aussi. Hein. Je vais ramener la pierre magique. Est-ce que je tombe? Oui, c'est bon. Revêtissons notre costume de Cloud. Non, pas de Cloud Runner. Même si moi j'aurais bien aimé parce que les Cloud Runners sont ma race préférée. Quoi, t'aimes pas les Sharp Claw? Mince! Je crois que j'ai fail. Allez, joue à Pong, Fox. Oh, c'est bon, il est venu. Quel bon joueur de Pong, Fox, tu es. Et moi, être un peu Yoda aussi sur les bords. Vous vous sentez bien? Mes enfants! Lorsqu'on m'a fait prisonnière, tous mes enfants ont eu peur. Ils sont allés se cacher autour de la forteresse. S'il vous plaît, prenez ça. Si vous les entendez, utilisez-le. Les sons les guidera vers moi. Pourquoi? Si les Sharp Claw les trouvent, je crois qu'ils ne reviennent. J'ai peur qu'ils ne reviennent jamais à la forteresse. Pourquoi? S'ils voient les Sharp Claw, ils vont se dire: oh my god, les Sharp Claw, je reviendrai jamais. Bah désolé si je baille, hein. Un problème avec ça. Elle t'ennuie tant que ça, cette partie. Non, mais je suis en train de m'imaginer après aller dans le temple de la pierre magique, alors je me dis, oh purée. Flûte des bébés. Les bébés ne répondent qu'à cet appel.
J'essayais d'appuyer sur start, mais... Regarde, c'est des bébés, eux, peut-être que si tu leur fais la musique, ils vont être contents. Ils vont aller retourner voir la machin. Oh, allez, c'est parti. Oh, regardez, c'est un bébé Cloud Runner et un Shark Cloud qui veut manger. Vite, sauvez-le. Cool, elle préfère les oiseaux aux carnivores. Eh, hey. Qui te dit que ces oiseaux ne sont pas carnivores? Bah sinon, ils mangeraient Tricky, hein. C'est peut-être pour ça que Tricky les aime pas. Oh, je suis trop bas. Il est content, Fox, quand il joue de la musique. Il aime bien jouer de la musique. J'aime bien parce que c'est des dinosaures, mais ils font cuit, cuit, cuit. T'as vu? J'ai gagné du temps en ouvrant cette porte. J'avais oublié qu'elle servait vraiment à quelque chose, mais... Tant mieux, parce que j'aurais mis du temps à l'ouvrir. Attention, regarde, la barre d'oxygène de cet oiseau est en train de diminuer. Non! Elle fait les bruitages en plus. Eh, mais en fait, on peut sauter, je crois, jusqu'ici. Il y a une caisse. Ah non, bah non, j'ai des bêtises. Excuse me! Hey. Et t'as vu, t'avais une esquive, c'est la première fois que je vois un Shark Cloud comme ici. C'est pour ça que j'ai été perturbé. Non mais n'importe quoi l'autre, il est intelligent, ça va pas? Eh, hey, il était diplômé ce Shark Cloud. Rends compte Fox que tu viens de recevoir une flûte et tu sais directement quel morceau tu dois jouer. Bah qu'est-ce que tu crois, Fox, il est pas bête hein. Oh mon dieu! Ah oui, c'est qui va se partager le dîner, hein? Non, c'est moi! Non, 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 non! Bon, bon, toi, t'es un peu stupide, hein? T'es sur le côté, hein? Donc tu auras pas ta part du butin. Quoi? Je la voulais aussi! Vite, vite, cache-toi, Fox! Par là! Par là! Oui! Regarde, ils sont en train de le dévorer, là! Miam, miam, miam! Bah, y'a rien ici, faut que je passe par ici. Ah, purée! Ils sont en train de se disputer! C'est moi qui veux l'aile, moi je veux la cuisse, moi je veux le blanc. Non, c'est moi qui veux le blanc finalement. Ah ah. Oui, la musique elle s'est lancée, ils t'ont repéré. Hein. Tu faisais, t'étais pas assez discret, Fox. Je suis super loin, vous avez pas le droit de me repérer. Ah, c'est moi qui veux avoir la cuisse, hein, Fox. Quoi, tu veux la cuisse aussi? N'importe quoi, il va lui la cuisse. Je savais, Fox, qu'on te préférait à lui, hein. Allez, viens. De toute façon, moi, je m'enfuis, je peux vous faire congeler, et après, j'ai, hop, du Shark Cloud pour le dîner. Mais je suis gentil, je vous donne des coups de bâton à la place. Tu aimes bien les glaces de Shark Cloud? C'est quoi, une glace à la viande? Mais non, la viande congelée. Ah bah, j'aime pas décongeler de la viande. Moi non plus. Ah. Mince, il a eu peur de moi. Ça va pas marcher. Oh, c'est bon, hein, désolé, je savais pas que monsieur voulait être par terre. Merci, monsieur Fox, je vous revaudrai ça. Mais s'il vous plaît, allez sauver mon frère qui va se faire dévorer par Shark Cloud. Chacun a une patte, chacun a une aile. Vite, vite, Fox. Je peux descendre d'ici? Que oui. Regarde le poteau, le pilier il bug. Tandam. Du coup, je me demande, une fois que t'as terminé la forteresse Cloud Runner et que tu y retournes, est-ce que Tricky veut quand même venir ou pas? Je crois que non. Oh non, moi je vais pas aller en territoire de mes rivaux. Pitbox, il faut sauver le petit oiseau, ce bobard là. Mais tu sais, Tricky, connaître ses ennemis vaut mieux que connaître ses amis, hein. Hop, en fait, là. Tricky, c'est un raciste. Il aime pas les Cloud Runners. Oh, j'aurais jamais cru ça de lui. Ouais, il est pas là, on en profite pour dire du mal de notre chien. Non, mais sérieusement, ça a aucun sens. Je veux dire, oh bah non, moi j'aime pas les oiseaux, je suis un Triceratops. Oui, oui, je sais, c'est pas un Triceratops. Attention, la L, c'est un... J'ai oublié, moi, un Dimétrodon. Dimétrodon? Non, bah je non. Non, je plaisante. Mais je sais pas pourquoi j'ai eu le nom du Dimétrodon qui m'est venu dans la tête. Pas un Triceratops. Parce qu'il y a des gens qui avaient pleuré à un moment parce qu'on avait dit que c'était un Triceratops. Oh my god, vous avez pas le droit de dire que c'est un Triceratops. Aïe. Bon.
Attendez, j'ai pas fini. Eh, t'as gelé notre copain là. Toi, je te bats à la loyale parce que. Bah, tu me touches même pas. Eh, il a essayé de m'attaquer. Hein. Il a pas. Écoute, il essaie de défendre ses copains lui. Oh, le coup puissant. T'es pas assez prêt. Ah, si. Je voyais pas le C, c'est pour ça. Et voilà, on a terminé la partie d'aujourd'hui. On verra ce qui se passe maintenant que j'ai sauvé tous les petits oiseaux. Dans la suite de Star Fox Adventure. À la prochaine. À bientôt tout le monde.